Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'apéro pour sauver l'épisode de Pokémon Bouclier, ce 6ème épisode si je ne m'abuse. Il y a la personne qui nous propose ceci ici. D'accord. Un arbre à baies. On secoue le cocotier. Parfait. Voilà. Et on est bon. Là, il y a sans doute un dresseur qui nous attend là-bas. Alors, nous avons aussi... Tiens, il y a un gamin qui court dans les hautes herbes. Et qui marche sur du carrelage, apparemment, avec le bruit qu'il fait. Nous avons aussi un commentaire. Merci Zach de dire oui. Ça fait plaisir de voir que tu commentes pour le retour de la série. Ça fait plaisir de pouvoir y rejouer. Tu verras que l'épisode suivant, parce que là c'est l'épisode d'après, donc il y a un épisode entre deux. C'est un miaousse. J'ai un peu moins la patate, en même temps je m'en suis rendu compte pendant le montage. Faut se dire que j'ai eu des problèmes d'encodage pendant tout l'épisode. Et que j'étais un petit peu perturbé de savoir d'où est-ce que ça venait, pourquoi ça existait, qu'est-ce qui se passait. J'étais un peu déçu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Enfin bref, allons-y. Son miaousse, bah, il va un petit peu se faire rect. Hein. On va faire un petit coup de brouillard quand même, par principe, j'aime bien. C'est jet de sable en fait. Hein. C'est l'équivalent de jet de sable quand on y pense. J'aimerais bien quand je fais l'équivalent du jet de sable, que tu ne sois pas en mesure d'attaquer en face. Normalement, c'est l'objectif. Que tu aies une précision basse et que tu ne puisses pas attaquer. Mais il semblerait que t'en aies rien à foutre. Donc, bah écoute, bourrage. Et en plus, tu réalises ton attaque roche. Et le type acier. Non mais. Mec, je t'ai envoyé des jets de brouillard sur la gueule. T'es pas censé pouvoir attaquer. Bon, rougir après, tu me diras, mais. Oh, ce combat va être long. Oh, que deux fois. Allez. Mais y'a des brouillards sur ta gueule, fils de pub. Attends, on va aller voir quand même, mais. Allez, on 3, 4, continue comme ça, t'es 5ème, c'est bien. Ouah, ça y est, il a enfin réussi à réagir. Oh, que deux fois. Ah, non, il veut pas. On a encore moins d'attaque, ce qui fait que je vais mettre encore plus longtemps à le battre. Eh bah, il est là. Non, mais arrête. Merci. Fuck it, on m'a envoyé Perfman, on l'a pas encore vu depuis son évolution. Et on a bien fait de pas le voir. Je trouve vraiment qu'il est, il est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Vas-y pour arrogance, on va bien voir les dégâts que ça fait. Je sais pas s'il a le double type. J'ai pas l'impression. Juste pour voir, on va aller voir vite fait. Non, juste vol. Bon bah dans ce cas la piqueur. Ah c'est dur hein. Je crois qu'il a utilisé une potion encore. Bon ça c'est fait. Ça en fait un. En tout cas. Grenipio. Plante. Plante, en fait, il est que plante, Grenipio. Donc, bah, ça sert à rien que j'envoie n'a qu'un œil. On va laisser Grenipio affronter Piafman. Ça va être très rapide. C'est fini, voilà. Faut le dire, hein, normalement, c'est fini. Voilà, poupilou. Non, c'est mon café qu'il faut que je bois pas ma canette de coca, qui est vide. Ok. Ah, ça c'est nice. Ça c'est nice parce que ça veut dire que s'il a un Papillusion, il a un Pokémon évolué au 3ème stade, je vais donc gagner masse XP. Bon, il va se faire bouffer aussi le Papillusion, mais... Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Et là, normalement, masse XP. Voilà, 400 pour le premier, 200 pour les autres. On va avoir une petite évolution quelque part, je ne sais pas. J'en doute. Jack l'éleveur, pardon. Alors, une petite évolution ?
Non, que dalle. Oh. Ah, je me fais agresser par un Mius. Je vais capturer le Mius. Putain, il est de type acier. Alors, je pourrais récupérer aussi un Miaouss d'Alola. Je trouve franchement moche. Faut le dire, hein. Ça passe, on a du bol, c'est bon, ouais. On a du bol, ça fait tellement bizarre de dire cette phrase. Et vous voyez, 154 d'XP, 60 d'XP, c'est pas énormissime. Alors, vas-y, de type acier, voilà. Plus la pièce de son front est sombre, pas mal, plus elle est dure et inspire le respect à ses congénères. Il est aguerri et ne connaît pas la peur. Bon bah là, elle est dark, hein. So dark. Je sais pas si je vais le garder, mais... Ah, je peux mettre un espace ? Oh, so dark. Excellent. C'est parti. C'est con s'il était pas aussi... C'est pas encore... C'est quoi ça? Un Evoli. Bonjour. Ça, ah oui, il a peut-être une évolution. Non, je crois pas qu'il... Non, on en a pas entendu parler. Sinon, je l'aurais su, je pense. Ça fait bizarre qu'il ait pas d'évolution dans ce... Putain, il est niveau 16. Non, un Evoli jet de sable. Catastrophe, je n'ai qu'un œil. Comment je fais s'il est rempli de sable? Ah. Ce n'est pas très efficace. Seulement 3 fois. 50, 50. Bon bah. Autant y aller. Ah, j'aurais dû y aller avec le stack, je suis con. Regarde touchant. Oh. Quoi? Quoi? J'échoue en plus. Mais lol. Lal. Lolissime. Non mais. Quand moi je le fais, au bout de déjà d'un, ça me fait pas d'effet à l'adversaire. Alors pourquoi vous, ça fait de l'effet? Je voudrais faire un tour rapide, s'il vous plaît. Non mais lol. Je pisse à l'arrêt du jeu, c'est pas possible. Elle insiste! Il insiste en plus! Qu'est-ce que je peux faire sans le buter? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je sens que je vais le tuer. Non mais arrête avec ça, arrête avec ton sable. Ouh, ça passe. Hop les. Pokéball, go! Nice. Il a pas voulu. Non mais arrête avec ton regard touchant, c'est débile aussi ça. Je retente ma chance, ça va le buter. Il y a 95% de chance que ça le bute. À la limite, je préférais qu'il me jette sable et que j'échoue. On va bien voir. Ouais, c'est bien. On réessaye. Allez. Bien. Porte un petit peu d'XP quand même, c'est cool. Pas autant que je l'espérais. L'ADN de ce Pokémon très particulier recèle de nombreuses possibilités d'évolution. Non, c'est vrai. Oh, t'es moche comme Pokémon, je te déteste. Il court plus vite que moi, l'enfoiré.
Un super bonbon. C'est quoi ça? C'est un miaous. Mius. Miaous. Ok. T'es pas en forme, n'a qu'un œil. Hein. T'es vraiment pas en forme. Est-ce que j'ai une petite potion? Ouais. Voilà. J'aurais aussi pu aller voir la gonzesse là-haut. Une petite agression. T'as vu comment je ressemble à Pikachu? C'est vrai que je me suis fait avoir quand je l'ai vu pour la première fois dans les hautes herbes. Aïe. Dylan, le poké enfant. Ah bah, forcément. Bon, l'avantage, c'est que j'ai plus Bullrock. Le désavantage, c'est que j'ai encore entière. Enfin, l'autre avantage, le deuxième avantage, pas le désavantage. Il est rapide, hein, dis donc. Je veux dire, l'animation est rapide. C'est vraiment une vive attaque pour le coup. Bon, normalement, il est HS. Très bien. Ça, c'est fait. Ah, on va avoir un level up. Nice, 2 level up. Il a rapporté masse XP en plus. Je me demande si la binocle évolue au niveau 10 puis au niveau 20. Ce qui pourrait être intéressant. Ah bah ça, je l'ai pas vu venir. N'a qu'un œil évolue. Nice. Ouh, bah là, il doit être de type feu. Bon, il est un peu moche, par contre. Et puis, il a deux yeux, maintenant. C'est nul, il a deux yeux. Et roche-feu, voilà. Il peut faire tourner ses pattes très vite pour se déplacer à une vitesse de 30 km/h. Il peut aussi souffler des flammes à 1000 degrés. Eh bah... Je sais pas si je peux triner, nitro-charge. Très bien. Bon, on va tous être d'accord, hein. Je pense qu'on peut éjecter Brouillard qui ne sert strictement à rien. Et il a corps ardent maintenant. Très bien. Bon, bah écoutez, pour les œufs, ça va être bien. Parce qu'il avait inifugé avant, j'arrivais pas à avoir autre chose qu'inifugé. Oui, est-ce que je peux le rename? Ah, je peux plus le rename. Ah, ok, non, je peux plus le rename. Ah, merde! Ah sinon je l'ai rappelé Pierre qui roule. Damas Pamousse. Ah, je suis tellement fier de ma blague. Rune préférante. Ben non, moi c'est l'inverse qui m'intéresserait, se retrouver plus de Pokémon sauvages différents. Ah ça marche. Nice. Ça fait 50 ans que j'élève des Pokémon. Quoi? Goûte à la force de l'expérience. Mais t'as pas l'air d'avoir plus de 50 ans. Vache. Il fait jeune. Pourtant, Pierre qui roule, ça lui va si bien. Nitro charge. Pitié, fais une vive attaque. Je suis déjà plus rapide qu'un Pokémon électrique, je m'en... Quoique, est-ce qu'elle a l'initiative ou pas, Nitro charge? Je crois pas. Hein. Ouais, non, il a pas l'initiative, mais je suis déjà plus rapide que le Pokémon électrique en face. Ah bah alors là, t'es brûlé, bonhomme. Non, même pas! Mais c'est quoi cette malchance? Ah, ça fait plaisir qu'il ait évolué! C'est cool! Un Enupio, par contre, ça, c'est plus emmerdant. Crac. Surtout que j'avais peur qu'il reste un Pokémon de type pierre finalement. De type roche. Tiens, on va essayer Choc Mental, j'ai pas encore vu l'animation je crois. Ah c'est joli. On sent qu'on est sur de la HD. C'est une blague. Ça tombe bien, j'ai... Eh mais... Il est de type plante eau normalement. Ça devrait être super efficace. What? Il aurait dû prendre masse dégâts.
Bah non, apparemment. Bizarre. Dans ma tête, un type plante prenait cher face au type... Ok. Ok, ok, non mais ça me dérange pas, mais... Attendez, ça me choque quand même. Oh bah écoutez, je sais pas, je croyais que les types plantes... Je suis sur le cul quand même. Oh, encore ? La poudre énergie ! Un dina machin... Hop les, un bec pointu. Bon bah écoutez, on va pas se laisser abattre, hein. Le bec pointu, on va l'utiliser. Crac. Ça va être ici, je pense. Voilà. Hop. Cadeau. On va aller pêcher un coup quand même. Ah, j'ai laissé... Non, tant pis, fuck it. Yay, je l'ai eu. Bon, pff. Ouais, y a pas de raison d'avoir peur, hein, sur papier. J'en ai capturé un, au passage, de... Et c'est ça, ouais, vas-y, continue comme ça. Ok. C'est là normalement qu'on testicule. Si notre taux de capture est bon. Quoique, j'ai déjà capturé peut-être. Je sais plus, je crois que j'ai le symbole comme quoi j'en ai déjà capturé un. Donc bon, tant pis. J'en ai sans doute déjà capturé un. Ah, citron sorbet qui est au ras du cul. Non. PC. On avait déjà capturé un. Bon, tant pis. Je connais tout ça. Oh, il y a une CT ici. Il y a de la mousse, là. Tremblez pas, ça fait de la mousse. C'est quoi comme Pokémon? Ah, c'est le petit chien, là. Je suis Emily. Je sais faire un tas de trucs. Ah bon? Le Poké-enfant veut se battre. Je pense que cette... Oh là là, puis les pauses. Cet épisode va être basé sur le fait que je... Que j'affronte des enfants. Dans un jeu destiné aux enfants. Franchement, j'aurais bien aimé que l'animation de Nitrocharge soit mieux. Ah, peut-être un petit peu simplette là, l'animation, hein. Le coup du un petit peu quelques flammes et puis après patati patata c'est fini quoi. C'est un peu en dessous. Pardon hein, mais... Oh, avoué. Ah, ah. Je suis sûr que sa tête elle va être réutilisée sur le Discord, donc bon. Tant qu'à faire. Autant se faire du mal tout de suite, autant faire le pire qu'on peut. Wouh! Oh putain, la taille de la bouche! Tu dois en avaler des... salades. Une tortue. On sait à quoi. Là, je préfère pas qu'il avale ma salade. Son coup extensible lui permet d'atteindre les ennemis éloignés en un instant pour leur porter un coup décisif avec ses crocs aiguisés. Mais bien sûr, il s'allonge d'amour, son coup. Est-ce que t'es passé de type proche aussi? Ouais, voilà. D'accord. Bon, on va enlever abri. Crac. On est bon.
Allez. J'ai fait ça au pif. Mais ça marche. Ah, tu peux pas, tu sais pas grimper. Tu là, je l'ai pas comme Pokémon, je vais le capturer. On a des moutons, on a des citrouilles, on a des chiens de berger dans les... On en parle tout ça ou pas? Je sais pas s'il évite. Qu'est-ce qui se passe s'il évite? Pas grand-chose. Ah, fait chier. Ah, j'adore ce son, c'est génial. Putain, la régène que ça lui a donné. Deux. Trois. Allez, c'est bon, c'est fait ou pas? Oui. Ouh. Pauvre n'a qu'un œil qui a pris cher. Même s'il en a deux fois plus maintenant. Dieu. On dit que le corps de ce Pokémon est assez grand car il a toujours vécu entouré de beaucoup d'âmes errantes. D'accord. Non, je ne veux pas que tu ailles à mon équipe. Tu fais partie de la génération d'avant. Ou d'avant encore, je ne sais plus. Non, je me suis fait agresser, quoi. J'adore ce son. Alors là, si t'es pas... Franchement, si... Putain, mais... J'ai corps ardent, pour l'instant, à chaque fois qu'ils m'ont touché, ça n'a jamais trigger. Ah, c'est ça, ouais. Tu sais, des gros yeux, ils sont boches. Ah, je déteste ce Pokémon et son évolution, je les trouve laid. Mais alors, vraiment. Ça y est, bah tu trigger à un moment où je vais tract, bien sûr. Là où ça aurait pu m'aider avant, quoi. Voilà. Forcément. Hop, on va soigner un petit coup notre poké-poké-poké-poké-ami. Hop, les... Darnué, une capacité de type insecte qui va très bien à Evoli, je trouve, à Voltali, pardon. Bouh. Est-ce qu'on en parle du fait que je me creep derrière un gamin et que je l'effraie avec un contact inapproprié ou pas? Bien sûr, d'une Pokéball à l'autre. J'ai touché avec mes Pokéballs. Je crois que ça n'arrange pas les choses quand je le dis comme ça. J'adore cette éthique. Je trouve qu'il a, il a un choix de couleurs qui est magnifique et il a une bonne tête. J'adore ce Pokémon. Un Larvibulle, très bien. J'adore aussi ce Pokémon et j'adore sa dernière évolution. Ultra stylé. Je sais jamais comment elle s'appelle, mais ultra stylé avec ses deux gros dards. Pardon, mais avec c'est pas des dards en plus, c'est des espèces de cornes à l'avant, vous savez qu'il a. Magnifique. Je check que j'ai rien oublié. Là, on va me faire agresser encore une fois. Parfait. Ah, c'est pas des... Des herbes qui sont appréciées des Pokémon en règle générale, ces trucs-là, normalement. De mémoire. Il y en a encore une. Avec un Topiqueur là-bas. Deux Topiqueurs. Racine énergie. Racine énergie, je crois qu'il y avait qu'un seul E avant.
Ah bah alors là, ça m'arrange de t'affronter, Miaouss. Si tu savais. Mais à tous les coups, j'ai bientôt pu avoir de PP pour Nitro Charge. Oh, ça va, j'en ai encore 10. Ça va être efficace, ça, par contre. Oh. Il lui reste un poil de cul. Vas-y, touche-moi. Griffe. Jackpot. Tu as jackpot. Nice. On va utiliser... j'ai pas envie de gaspiller, hein. Voilà. Un nitro charge pour ça. Bon, je fais un coup critique, j'ai du bol. Parce que je pense que sinon je l'aurais pas eu. Oh, trick, il y a deux doigts de leveler aussi. Merci pour l'argent, Miaouss. Toujours plaisir. Voilà. Bon, je savais qu'il allait m'agresser à un moment ou à un autre. Attends, j'ai toujours envie de dire ça, écoute. Un Pokémon sauvage apparaît. Oh putain. Tellement de perches tendues après au bout de ma Pokéball. Wow! Un flambi! Crémy, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Du coup, t'es quoi, t'es type? Je vais faire brûler la crème ou pas? Ah non! Je viens de penser à un truc! Je parle de Pokéball et de perches tendues et il y a de la crème au bout! Oh non! Oh non! Oh non! Oh! Oh, oh. Non, faut pas que je fasse ces bruits là non plus. J'ai mis de la crème partout. Pardon. Pardon, elles sont tellement faciles à faire ces blagues. Oh. Ouah, c'est déjà fini. En plus, apparemment, je suis précoce. C'est génial. Oh. 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 Ah ah. Oh. Moumouton, reviens ici, petit chenapan. Moumou. Ça doit être... Non, même pas. Ah, comment je vais faire sa tête? Comment je vais faire sa voix, lui, plutôt? Moumouton vous percute, ça l'a arrêté net. Je sais pas comment je vais faire sa voix. Ah, je vais essayer de faire la voix un petit peu de... Ah, putain, de Sparadrap. Oula, rien de cassé, petit gars. Une petite charge dans les gibbles, tu as dû la sentir passer. Désolé, hein, ce mouton, c'est un vrai rebelle. Pardon. Tu es un challenger. Tout à fait. Je savais bien que ta tête me disait quelque chose. Je t'ai vu à la cérémonie d'ouverture. Ouais, c'est Percy. Je suis un champion et mon dada, c'est les Pokémon plantes. Justement, j'ai bien envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Passe donc me voir au stade pour relever mon défi. Tu ne peux pas le rater, c'est tout droit. Allez, viens mon gros, rentre au stade, arrête de carapater dès que j'ai le dos tourné, ok? Il y a des challengers qui nous attendent. J'étais tellement pris dans le personnage que je faisais les petits symboles, enfin les petits trucs de tête qu'il fait là aussi. Ah, excellent. Oh, Nabil. Oh, Nabil. Admire un peu, Marcus, c'est le stade de Greenbury. Ça en jette, non? Par contre, en vrai... C'est... D'ailleurs, je viens de voir passer Percy, le champion, il est couru vers l'arène. Il faut dire qu'il y a du monde qui poirote là-bas. On n'est pas prêt de se battre contre lui. Merde. Ah, pendant que j'y pense, on a de chercher. Elle a aussi une question pour toi. Elle me l'a posée aussi, mais je savais pas de quoi elle parlait. Elle est sur la colline. Où est la colline? Je suis un peu nul en explication. On regarde peut-être sur la carte. Ah, putain. On est toujours dans le tutoriel, donc. C'est le vol de toute Sonia. Suis-le, guider les gens et les Pokémon perdus, c'est sa passion. Je suis pas perdu. J'aurais bien fini par tomber sur le... Sur la... Comment le... La colline. En cherchant un peu. Ça, ça fait du bien de régène. Oh la vache. Bon, il n'y en a qu'un qui a pas voulu évoluer encore. Hein. J'imagine qu'il va évoluer au niveau 30, 35, un truc comme ça. Non, j'aimerais qu'on change le pseudo. Merde. Oui! Ok.
Pierre qui roule. C'est bon. Oui, c'est un meilleur nom. C'est beaucoup plus... Non, non, c'est bon. Je te remercie. Un géoglyphe. Et je pense que les villes devraient s'en servir pour attirer les touristes. On pourrait par exemple vendre des pots de confiture avec un logo et son effigie dessus. C'est pas con. C'est pas con. Choupi. Oui, je suis parti dans la direction opposée. Oui, oui. Hein. Ah, la oh, putain, il y a un top dresseur. Ça dit, c'est bien que les top dresseurs qui sont une espèce d'autorité dans les autres jeux. Comment dire, soit un peu plus présent ici. Hop. Allez, vol toutou. Et la colline, vas-y, ça vaut le détour. Remarque, même si j'ai déjà admiré, un tempête, j'y retournais. D'accord, ok. Ce jeu-là, il n'y a pas de nom, ou alors il y en a un, mais il ne faut pas le prononcer. Voldemort. J'ai pris le giglyphe fantôme, mais c'est loin de rendre hommage à la beauté du vrai, mais au moins la photo m'aidera à me souvenir de l'émotion que j'ai ressentie en le voyant. D'accord. Allez, vol toutou, continue, hein, progresse. Putain, c'est chiant d'avoir une petite cinématique toutes les deux secondes, quand même. Pardon, hein, mais... Tiens, pour ta peine, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Une pierre plante, ok, qui sort de nulle part. Un papy, qui sort de nulle part, se mise à une identité physique par les Bacchamon mystère. Ok, donc c'est les dolmens, quoi, un petit peu. Je regarde s'il n'y a pas un objet planqué dans le... Et 3 capsules attaque plus. D'accord. Très bien. Appelé. Merci, Voltutu. Merci, Voltutu. Merci, quoi savoir. Merci, Voltutu. Désolé, t'as fait venir jusqu'ici, mais c'est pour une bonne raison. J'ai besoin de ton avis. Il t'évoque quoi, ce géoglyphe? Le phénomène Dynamax, je dirais, ouais, comparé au peu... Ouais, ouais. Moi aussi, hein. C'est un Pokémon géant, j'en suis sûr. Et nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient beau avoir toute l'imagination du monde, je doute fortement qu'ils aient dessiné ça sans savoir... sans avoir vu des Pokémon Dynamax. Comme je t'avais déjà dit, il y a très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel de Galar, et des Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ce tourbillon, c'était la nuit noire dont je te parlais, mais qu'est-ce que c'était au juste? Et quel est le rapport avec, avec le phénomène Dynamax? Grand-mère m'a refilé le bébé, hein, et je dois me coltiner toutes les recherches. En tout cas, merci, ça m'a bien aidé que tu me donnes tes impressions. En remerciement, je te donne cette carte de ligue. Percy est le champion de l'arène de type plante. Face à lui, mise tout sur tes capacités feu, insecte ou vol. Et tiens, pour aucun cas un peu ton équipe, bonne chance. De rappel. Alors, ça me fait penser que du coup le combat sera dur, et donc du coup c'est une bonne chose. Hop hop hop, allez en route, tu as un combat qui t'attend au stade de Greenbury. Attends, je vais visiter un peu quand même l'endroit. Si bien c'est conservé, ce mystère me passionne tellement que ça m'empêche de dormir la nuit. Mais il y a des gens qui tombent de la pelouse, c'est tout bonhomme. J'ai une théorie, je pense que des Pokémon ont aidé à créer le géoglyphe. D'accord, des Pokémon tondeuses peut-être. Ça c'est génial. Pour les animaux, pour les enfants et pour les adultes. Putain, ça c'est vraiment cool. Ça te fout dans l'ambiance quoi. Je veux vite grandir pour pouvoir passer un pied dans le panneau et prendre des photos. What? Et même moi je suis pas assez grand. C'est triste. Et tu sais quoi, pareil qu'il y a un trésor enfoui à Greenbury. Il y a un indice sur ma carte, écoute ce que ça dit. Observe les stèles. Mon premier est la plante. Mon deuxième est plus faible qu'elle. Plante, feu. Non. Plus faible qu'elle. Eau. Plante, eau, feu, du coup. C'est pas du tout. Bon bah écoutez, on va chercher ça. Si vous avez une idée, mettez-le dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez commenter, les amis. Donc n'hésitez pas, faites-le. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de nos aventures. Salut les gens et yop !